Je travaille au chaboté dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été des mules en reptiles. C'est mon destin, je suppose, j'ai 15 ans de maison. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Dans le cas de cette fillette qui tend son pied droit, son prénom doit être Berthe, point sur 43. Il est l'heure de mon sandwich, mais je n'ai plus faim. Asphyxié par une péniche, telle sera ma fin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptile. Je surveille au chaboté derrière mes lentilles. Au rayon des nouveautés, une longue file. Elle regarde mes savates, et puis finalement, elle me dit qu'elle convoite les mules en serpent. Elle me confie son pied nu, comme à une sœur. Il est fin, petit, menu, bref, sans épaisseur. Je le respire, je le flaire, et enfin je le hume. J'aimerais mettre sous verre ce qui le parfume. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptile. Jamais eu au chaboté cette démangeaison, cette envie de bécoter en 15 ans de maison. Je repousse l'idée sotte, l'idée saugrenue, l'idée de proposer la botte à cet inconnu. Quand soudain le carillon annonce la nuit, et pareil à Cendrillon, la fille s'enfuit. Me laissant désappointée, la mule à la main, elle s'enfuit du chaboté, passe son chemin. On ne peut